réponse. Compagnie, la délicieuse Lucie Bacon. Virginie Ramel. Tendu à Geoffroy Guichard pour le début de la 14e, votre édito, Pierre. Ce soir, vous vouliez revenir sur ces incidents qui sont de plus en plus fréquents autour des rencontres de Ligue 1, les fumigènes, les envahissements de terrain. C'est un coup de gueule qui est au menu de votre édito. Vous avez une minute, comme d'habitude. Oui, immédiatement imité par les supporters bordelais, que 15 jours auparavant, après la célébration de Fekir, des supporters. Envahissement de terrain du public stéphanois après le doublé de Nabil Fekir. Justement, on va retrouver François Marchal à Geoffroy Guichard. Bonsoir François. Le public stéphanois qui reste sur cette défaite historique, 5-0, quel accueil pour les Verts ce soir? L'accueil ne va pas être très, très joyeux au stade. Maintenant, une heure et quart, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a vraiment... Saint-Etienne qui, on le rappelle, est 7e à 8 points du podium, qui en soi, ce n'est pas catastrophique, mais c'est l'évolution en revanche qui est inquiétante. Regardez, Saint-Etienne qui a fait autant de points, 9. Et on va tout de suite retourner à Geoffroy Guichard, car nous sommes en direct notre avec nouveau Dominique consultant. Rocheteau, le directeur sportif de Saint-Etienne. Pierre, c'est à vous. Bonnes habitudes, c'est bien. Pas dans les meilleures conditions. Non, pas dans les meilleures conditions. On était en train de parler... Parce que... C'est quelqu'un de très grande qualité. Sportivement, ouais, il aura la plus grande des joueurs qu'ils ont trouvé complètement absent, pas du tout dans un état d'esprit conquérant. Et moi, je pense que Gassé... Pas clairement qu'il est numéro 1, mais on sait qu'avec la bouteille qu'il a, il ne vient pas pour être numéro 2. Donc il n'a pas pris dans les paroles de Dominique Rocheteau. Hein. Saint-Etienne traverse une mauvaise passe. Est-ce que le rebond des Verts va intervenir ce soir contre Strasbourg? Et pour ça, il faudra rester évidemment sur Canal Plus Sport. Mais comme à 19h30 PM, eh bien, on est d'humeur taquine. On aime bien imaginer les scénarios les plus improbables qui soient. C'est l'heure de Sur le papier, Marc Darian et Aurélien Michon. 1-0 donc pour Strasbourg contre Saint-Etienne. Évidemment, il faudra suivre la rencontre, la vraie. À partir de 20h45 sur Canal Plus Sport. Et ben on verra vos pronostics tout à l'heure, Pierre. Comme il est 19h53 et comme on a horreur d'être en retard dans 19h30, la première question, c'est une photo. Comme d'habitude, qui est cet ancien joueur de Saint-Etienne? 2-1 donc pour l'équipe d'Ambre et de Lucie. La question 3, une nouvelle question à 2 points. On va revenir 21 ans en arrière. Le 13 août 1994, Saint-Etienne s'impose à domicile. Donc entre Monaco et le PSG, il y a 16 ans, les deux équipes se quittaient sur un nul de partout à Louis II. Le nul au Vélodrome contre l'OM et les moments charnières, on sait aussi qu'il y a un énorme ego de la part du leader actuel. Ah bah oui, et depuis le match... Adrien Rabiot, est-ce qu'il est en train de faire oublier? On les voit un petit peu, et Adrien Rabiot s'installer comme sentinelle, finalement, on a l'impression... Dans les rangs de l'ASM, c'est son grand retour à Louis II. Pierre, est-ce que vous vous souvenez du tout premier but de Kylian Mbappé? Pas du Monaco. Tout. C'était le 20 février 2006. Atello, évidemment. Il est temps de marquer après, une courte pause. Après, on nous bassine avec la guerre des égaux au PSG. Mbappé. On va réfléchir à ça pendant cette courte pause.